Excusez-moi de l'interruption, c'était une pause téléphone. Vous verrez rien sur la vidéo. Alors, bon, on y retourne. Donc, j'ai Excalibur. On va dire. Oh punaise, le moulin. Le moulin. Oh, mythique. Oh, c'est mythique. Il manquerait plus que le trou là à côté. Enfin, il y avait un trou quelque part qui menait à une salle secrète. Kakariko Village. Voilà, j'ai réussi. Oh, je crois que je vais vous mettre la musique derrière. Ça serait bien ça. Welcome to Kakariko Village. The inside of the building aren't quiet. I would like. L'intérieur des bâtiments n'ont pas été comme je voudrais qu'ils soient. Other than I'm happy with no Kakariko Channel. Là, j'ai pas compris. C'est pas grave. C'est pas... assez fidèlement représenté quand même. C'est bien ce qu'ils ont fait. Le puits. Dark, narrow, scary, well of three features. Ah oui, d'accord, il n'y a pas le temple de l'ombre. Enfin, le puits, pardon. L'intérieur du puits. Je casse bug. D'accord, hop, le moulin. Alors, le moulin. Est-ce qu'ils ont fait le moulin? J'avais dessiné l'intérieur du moulin. Ah, oh, c'est bien. C'est pas mal débrouillé. C'est même très bien débrouillé. Le cimetière. Tac. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Ouais, le lit d'Igor, le fossoyeur. Ça, c'est quoi ça? Boule de neige? Dans le four? Ouais. Bon, ok. I need to map and j'ai pas compris. C'est quoi ce délire? Je crois que j'aurais pas dû passer par là. Hein? Dump tombe. La tombe de. Ah oui, je crois qu'en français c'est Igor le fossoyeur. Hein, le temple de l'ombre, à mon avis, ils l'ont pas fait, je comprends totalement, parce que ça serait un peu compliqué. Ah, ils l'ont. Non, ils l'ont pas fait. Oui. Bon, c'est parti pour le mont du péril, en volant. Donc vous, ça sera certainement plusieurs épisodes, parce qu'en un seul, je pense que ça va pas être jouable. C'est une map énorme. Ils ont fait un travail magnifique, et c'est... franchement, je leur dis merci. Parce que faire un truc comme ça, c'est... c'est énorme. Ça a dû demander du boulot, mais des mois de boulot acharné. Ou des années de travail à rien foutre. ils ont pas fait la caverne d'Odongo. Moi, ça m'arrange un peu. Parce que ça aurait été très long à explorer. Hein, le fabuleux drapeau rouge. Le chemin du péri. Oh, c'est super bien fait. Super fidèle à l'original. Oh, si je les avais en face de moi, je sais pas ce que je ferais. Je sais pas. Tellement c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Oh, ils ont pensé à la fontaine de la grande fée. Mon dieu. Oh, à part qu'il n'y a pas le son. Oh, ça, c'est pas grave. Oh, punaise. Il manque plus que la grande fée et que l'air d'Ocarina pour que ça soit parfait. Puis, super bien fait. En plus, les fontaines d'eau, j'y aurais jamais pensé. Là, ça mène où? Oh, c'est pas vrai. Oh, ils ont comme... ils ont... moi, je croyais qu'ils l'avaient pas fait du tout. En voyant qu'ils avaient pas fait le temps. Mais ils ont commencé. Hein. Et c'est... oh, punaise. Le saut rouge, ouais. Normal. Et... oh, poker flottante. Oula. Il y avait marqué le temple du feu sera épique quand je l'aurai construit. Ah, marqué quoi? Un petit cœur, d'accord.
Ah oui, parce que c'est un réceptacle à cœur qu'on trouve ici normalement, je crois. Enfin, un réceptacle, un fragment. Sinon, ce serait trop facile. Punaise, mais c'est énorme le boulot qu'ils ont fait. C'est des dieux, ces types. Par contre, ça fait un peu de tâche quand je vole. Enfin, je vais arrêter de voler un peu. On profitera mieux du paysage. Je suis où? Ok, je suis allé à un endroit où il fallait pas que j'aille. Faut que j'aille. Ah, c'est là. Ah oui, c'est le ravin qui mène au village Cocorico. Un trou? D'accord, c'est vol. Là, ils auraient dû mettre des TNT pour faire les choupettas. C'est magnifique. Oh, ils ont fait le village Goron. D'accord, ils ont pas fait toutes les chambres. Enfin, toutes les salles. Ce que je comprends total. Là, par contre, ça aurait pu faire un mur. Ça aurait fait plus joli, je pense. En attendant. Funaise. Ouah, mais c'est... C'est des génies, ces types, mais... voir Darunia pour qu'il me donne la pierre du feu parce que j'ai pas que ça à foutre. Bah, ah ouais, ils ont pas encore aménagé, c'est pas grave. J'ai vu Darunia, on va dire. I had to invent a... Seriously, this is a plant. Ouais. Donc bientôt il y aura des plus de chariots de mine. Donc de minecart. Ouais, bon, ça mène là, ok, on a tout vu. On va voir le domaine Zora. On sprint un peu. Putain, je suis enroué, moi, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Et on sort. Paf. Oula. C'est quoi ça? C'est joli. Je sais pas si ça fait partie de la map, mais c'est joli. Ah ouais, ils ont utilisé World Edit pour ça. Ouais. Ah, c'est dommage. Enfin, en même temps, faire ça sans World Edit, ça serait un peu compliqué. Un peu beaucoup. Donc on va atterrir ici. Les fameux deux trous, où il y a des trucs à l'intérieur. Là, je crois que c'est la fontaine des grandes fées qu'il y a. Et dans l'autre trou, je sais plus du tout. Ouais, une fontaine. Avec des fées, normalement. Mais il n'y a pas les fées normales. Et dans le deuxième trou, je me rappelle pas ce qu'il y a. Il n'y a rien, ok. Je regarderai dans le jeu plus tard. En vrai. Ouais. Là, non. Oh oui, l'Octorok qui est ici, il est toujours chiant. C'est horrible. Là, ils ont oublié les petites rambardes. Dommage. C'est pas grave. Oh oui. Est-ce qu'ils ont fait le passage secret ici? Oh. Ah bah non. Ils l'ont pas fait. En même temps, ça sera un peu compliqué. Ouais, le saut de la Triforce. Le chant d'Ocarina et tout. Nous voilà dans le royaume. Ah, punaise. C'est énorme. Waouh! Eh ben! Je crois que je vais vous mettre la musique en fond, ça va faire énorme. Vous y croirez, comme dans le vrai jeu. Ouf! Flemme de monter, moi. J'ai la cape de rock, je peux voler. Ah bah oui, c'est fait exprès! Ah bah oui. Enfin, pas tout, mais bon, c'est bien quand même. Oh, y a pas je bouge à bout. I know that you. Je sais ce que vous pensez. Mais il est trop gros. Je ne pense pas que je vais le faire. C'est un donjon impossible à dupliquer. C'est un donjon impossible à refaire. Oh, punaise. Bon, je comprends, mais c'est un peu. Je suis un peu déçu quand même là. Ah, la foutaine d'effet, normal. C'est la texture de quoi ça?
Je crois que c'est de la laine noire. Je vais pas le casser parce que je casse instantanément et j'ai la flemme de retrouver dans l'inventaire ce que c'était. Je crois qu'on va... Non, on va se quitter dans 8 minutes environ parce que je dois aller chercher mon petit frère. C'est génial. C'est quoi cet endroit? Ah oui, d'accord. Je... Non, on va se faire le jeu du plongeon. Je me demande s'ils l'ont fait. Est-ce qu'ils ont mis une pancarte quelque part pour dire qu'il faut sauter? Non, en même temps, ça fera un gros trou dans l'eau, ça serait mal fait. Oui, je peux finir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut explorer d'autre? Ah oui, bah le lac Ilia. Bien sûr. Et la vallée Gerudo. J'y vais en volant pour aller plus vite, hein. Désolé si ça, je vous gâche un peu le paysage. Ouais, je vais faire comme ça on ne vous gâche pas trop. Ouf. Il manque plus que Epona. Une pancarte en plein milieu de la plaine. Pourquoi? Ah d'accord. J'ai pas compris ce qu'il y avait écrit, mais ah d'accord quand même. Oui. C'est respecté fidèlement. Enfin, je sais pas s'il y avait des barrières là, mais je pense que oui, c'est qu'ils ont mis. Ah, ils ont oublié les. Un trou. Un trou. D'accord. Pas grave. Ils ont fait un sacré boulot. Gna gna gna. There is too difficult for two reasons. 1. The exact sloping of the lake is hard to duplicate. 2. I had to make water temple fit somewhere. That's why most of water temple is here. Visite gay. La pub. Le coup de pub. Aïe aïe aïe. Ouais, là où on va plonger, classique. On pêche le coup de cul, mais c'est. Visite gangame.nature. Ah bah j'irai, je crois. Ouais, le point d'observation, c'est joli. Ils ont beau dire que c'est dur à faire, ils l'ont bien réussi. Ah oui, la fameuse tombe où ils disent. Shooter. Là, on gagne les flèches de feu en allant ici. Ah oui, le petit lac de pêche, on va aller voir ça, ensuite on va laver les Gerudo et bah, je crois que ça sera fini. Peut-être que je ferai un autre épisode pour les autres trucs si j'en ai oublié. Et c'est bien. Pourquoi pas. Ouais, bah il est bien fait. Go va laver les Gerudo. On va faire la porte derrière soit parce qu'on est poli. Par contre cette falaise, à mon avis, ils vont pas la raser, non je pense pas finalement. Parce qu'il y a visitgamegame.net et à mon avis. Ils aiment bien faire de la pub. Enfin, ce que je comprends totalement. Hein. Ceci dit, c'est complètement normal de faire de la pub pour un truc aussi gigantesque. Ah, on va se laisser dans 4 minutes. Le chrono qui tourne. Gna gna gna. The sound as the gaps in the wall are to stop the grass. I don't want it. Hein? Bon, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Du moment que c'est réussi, moi je m'en fiche. Non, ils ont pas fait le trou ici avec qu'on ouvre avec une bombe. Je rappelle quand on y va avec Epona. Ta gueule. Ah, c'est bien respecté, j'aime bien. Petite passerelle. Vas-y, marqué là. I plan the snake river between the mountain. Ouais. Encore dans la pub. Ils en mettent. Non, pas partout, c'est que la deuxième fois. Ouais, bon, on va pas aller par là, ça a l'air d'être secret pour l'instant. Est-ce qu'ils ont. Non, ils ont pas fait la petite plateforme, c'est pas. La petite tente, ouais. Est-ce qu'ils ont fait les bâtiments guéris? Ils auront un bon point si c'est fait. Et ils ont un bon point. Très bien. Et un autre si. Oui, bon, là, le terrain d'archerie est fait. Oh. Ah, pas mal, les trappes au milieu des cibles. J'aurais pas pensé. En même temps, j'aurais pas pensé à grand chose si j'avais fait une map pareille.
Ils ont même pensé à la prison. Voilà. Et B. Y'a pas de panneau pour dire quelque chose? Ah si. The desert will be added at date. Ouais. Le désert sera ajouté plus tard. Bah voilà. On va se quitter sur ce très, cette très belle lune de Majora's Mask qui s'écrase littéralement sur Bourg-Clocher. Bien qu'on ne soit pas dans Termina, mais qu'on soit à Hyrule. Et au loin, on va dire que c'est Bourg-Clocher. C'est... Bah, je suis très content d'avoir fait cette map avec vous. C'est simplement magnifique. Ils ont fait un boulot énorme. Et je félicite. Punaise, la lune se déplace avec moi. D'accord. Ah oui, le bout de verre. Je sais toujours pas ce qu'il fait là, celui-là. Peut-être pour avoir mon point de vue. Ils l'ont laissé pour avoir mon point de vue, non? Ouais, non. Je sais pas. Oh, c'est joli. C'est magnifique. Bon, bah voilà. Ah bah non! Elle se lève. Bon bah... à plus. Et peut-être que je vais faire une autre vidéo sur cette map quand elle sera mise à jour, etc. Donc voilà. Au revoir. Au fait, n'oubliez pas d'aimer et de commenter. Enfin, tout ça. De vous abonner aussi. Enfin, si vous voulez. Au revoir.